Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de la saison Dutch Farmer consacré à répondre à vos besoins à travers une solution, la gamme Dutch Far complète de 50 à 340 chevaux. Vous l'avez suivi à travers le premier épisode et le série 5 et sa transmission mécanique, un deuxième épisode consacré à la série 6 et sa transmission Power Shift et RC Shift. Je vous propose aujourd'hui de partir à la rencontre de Fabien, Gaëc de la Frobée, récent acquéreur d'un série 7 TTV, transmission en variation continue, qui va nous détailler son choix d'ici quelques instants. Bonjour Fabien. Bonjour. Merci de nous accueillir ici sur ton exploitation. Est-ce que tu peux me la présenter rapidement? Alors, nous sommes sur une exploitation de polyculture élevage, donc sur 1000 hectares, 500 hectares d'herbe, 500 hectares de culture. Nous faisons du lait, de la viande bovine et puis des céréales. Polyculture élevage, tu l'as dit, donc besoin de matériel divers. Tu as fait le choix d'acquérir ce série 7 à variation continue, TTV. Est-ce que tu peux revenir sur l'historique de ce choix de la variation continue chez toi? Alors, des TTV, on en a depuis 2005 avec un 1160 TTV. Et on a évolué en 2013 sur un 6190 TTV aussi. Et aujourd'hui, on a investi dans un 7250. 7250 TTV du coup, un besoin de puissance donc, et la gamme de Dutch qui pouvait répondre à ce besoin grâce à la série 7, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on avait besoin de débit de chantier supérieur et on avait besoin de puissance, donc on a passé sur un tracteur plus gros. La variation continue TTV qui répond à ce besoin, la puissance est aujourd'hui de mise également et la précision, et je le vois équipé d'agriculture de précision ce tracteur. Oui. C'est un choix aujourd'hui que vous avez fait d'équiper ce tracteur en autoguidage. Oui, bah on a vu que les outils s'élargissent de plus en plus et on a vu optimiser les largeurs sur toute la largeur et donc on a investi dans l'autoguidage. Rendement, performance, puissance, je vous propose de découvrir de manière plus succincte et en détail ce nouveau série 7 TTV. On y est à la fin de cette série Dutch Farmer destinée à résoudre une problématique simple. Vous avez un besoin, Dutch Far a la solution et vous avez pu le constater à travers les trois épisodes. La série 5, un tracteur polyvalent et simple d'utilisation. La série 6, c'est Power Shift et RC Shift. Et la dernière génération de transmission à variation continue TTV sur la série 7. Pour créer des innovations, il faut un bureau d'études et une usine ultra moderne. C'est bel et bien ce dans quoi Dutch Far s'investit. Vous le voyez juste derrière moi avec la dernière armada de tracteurs Dutch Far lancée récemment, la série 6C, la série 6.4 et la dernière génération de tracteurs Warrior Java Green. On se retrouve très vite avec la patate sur les routes de France ou sur les réseaux sociaux. À bientôt, ciao !